jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Votre émission La Libre Antenne pour ces 2 heures de direct. Ce soir, j'ai puisé mon inspiration chez Fabrice Luchini, que j'aime beaucoup, et qui s'exprimait sur la nécessité de rencontre avec soi-même avant de pouvoir prétendre à comprendre quoi que ce soit en l'autre. Il faut en effet savoir se retrouver avec soi pour se retrouver ensemble. Et c'est ce que dit Luchini, c'est que vous ne pouvez témoigner de choses intéressantes que si vous êtes rentré dans votre chaos. Sinon, être ensemble pour être ensemble, c'est rechercher une ivresse. Il n'est pas question de se priver du miracle de l'autre, comme dit le philosophe Lévinas, mais pour être avec l'autre, il faut avoir compris des choses en soi. Si on n'a rien compris en soi, si, comme le dit Simone Veil, on ne sait pas élucider un minimum, mais qu'est-ce qu'on va comprendre de l'autre ? On ne comprendra que ce que l'on a compris de soi. Je ne peux donc être bien avec l'autre, vraiment bien, qu'en ayant de l'empathie. Et pour avoir de l'empathie, il faut le comprendre au sens premier du terme, c'est-à-dire prendre avec. Il faut donc que je comprenne des choses en moi, que ce qu'il est résonne en moi. Et pour que cela résonne en moi, il faut s'être rencontré. Parce que tant qu'on n'a pas un début d'élucidation de qui on est, qu'est-ce qu'on va recevoir de l'autre ? On a de sympathie avec l'autre que ce que l'on a accepté de sympathie avec soi. Autrement dit, toutes les ombres, toutes les difficultés que l'on rencontre et que l'on accepte permettent de faire naître de la lumière dans le lien ensemble. L'affection pour l'autre dépend de ce que j'ai accepté en moi. Car si je ne sais pas qui je suis, je vais être dans un tel état d'incertitude, de non-présence, que je ne verrai rien dans l'autre, si ce n'est qu'une confirmation de moi-même. Je vais l'utiliser, au pire l'instrumentaliser pour en faire un spectateur, et non pas une rencontre, pour en faire un simple écho de soi. C'est un sens unique en fait. Et je vais chercher l'autre uniquement pour me confirmer dans ce que je suis et me réchauffer à son soleil. Alors dire qu'on ne s'intéresse pas à soi est une hérésie. Mais c'est aussi très insupportable d'être avec soi-même, on n'y comprend rien, on est contradictoire. Fabrice Luchini va même jusqu'à dire « c'est un paquet de merde de rencontrer son moi ». Et oui, et en même temps, si on ne se rencontre pas, on ne rencontre jamais personne. Et pour cela, il faut accepter de parler de soi. Ça tombe bien, c'est le lieu ici, cette émission, où pendant 2 heures, l'on parle de soi, de vous, de vos ombres et de vos frayeurs, et où je cherche avec vous à vous élucider justement. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39-21 et c'est Fabrice Fougerouze qui réalise cette émission. N'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail sur europe1.fr rubrique libre antenne. Allez, 39-21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Grégory. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup, je vous remercie de me faire la gentillesse de m'accorder un moment à l'antenne. Bah oui, parce que vous nous avez confié que vous aviez eu des déboires récemment sur le plan professionnel et dans vos phases de recrutement justement. Et on s'était parlé, je crois, il y a quelques mois. C'est ça. Et vous c'est étiez ça. Justement en train de passer des entretiens, je me souviens. C'est ça. En fait, concrètement, ça fait maintenant bientôt 2 ans que je suis en recherche d'emploi. Dans la mesure où mes recherches patinaient un peu, j'ai décidé de réaliser une formation professionnelle pour pouvoir me professionnaliser davantage et puis avoir plus d'arguments sur mon CV. Donc c'est une formation que j'ai réussi haut la main, donc j'ai eu cette satisfaction. Et je me suis ensuite relancé sur le marché de l'emploi et c'est vrai que depuis, eh bien, je suis en difficulté parce que bien, effectivement, on ne me répond pas, ou alors, lorsqu'on me répond, on me répond que je suis probablement surqualifié pour le poste, que les recruteurs imaginent que je vais m'ennuyer, dans le poste qu'ils vont me confier, ou quand je me positionne sur des offres supérieures, on me dit que je manque peut-être d'expérience. Donc, oui, le sentiment que quoi que je fasse et où que je sois, ça ne va pas. C'est ça, que j'ai pas, que je n'arrive pas, que, oui, il n'y a pas de place pour moi.
Et ça devient pesant dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup certains parlent beaucoup de souffrance au travail, de difficultés à gérer leurs relations professionnelles. Et moi en ce moment je suis vraiment plutôt en souffrance de pas réussir à trouver ma place dans le marché de l'emploi. Parce que voilà, dès qu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on se lie d'amitié avec quelqu'un, bah les premières discussions elles tournent régulièrement autour de voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et c'est vrai que moi à ce niveau-là, je suis toujours gêné parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je trouve pas ma place ou qu'on ne veut pas me faire de place dans ce marché et de l'emploi, et c'est difficile. Vous le vivez comme une souffrance, en fait. Complètement. Et plus le temps passe, et plus je me décourage. Après un échec, j'essaie toujours de me dire il faut te relever parce que ce serait dommage de laisser tomber et puis de passer à côté de vraies opportunités. Et puis, oui, jusqu'à ne plus oser dire, alors que je crois que vous n'avez que 28 ans, de dire je cherche un travail. Ça, vous n'osez plus le dire, en fait. C'est ça. Ou bien je vais tout simplement mentir à mes proches ou aux personnes que je rencontre en disant que je suis en poste. Ah oui. Pour éluder des questions et. Oui, tellement. Bien, je vais. Tellement vous le vivez comme un échec personnel alors qu'on est aujourd'hui, et vous le soulignez aussi, hein, Grégory, dans un marché qui n'est pas facile. Hein, des jeunes diplômés de grandes écoles mettent un an, deux ans à trouver un job, qui font des petits boulots. Hein, il y a des articles dans la presse qui racontent ce phénomène. Le marché de l'emploi, il est très tendu pour les gens de votre âge et puis pour les seniors. Hein, c'est-à-dire, c'est les deux endroits où c'est le plus tendu. Les plus de 50 et puis les 25-30. Alors, vous êtes dans quel domaine, Grégory ? Alors, moi, je suis dans le domaine des centres d'appel. C'est-à-dire que j'ai une formation en tant que manager d'équipe, hein, de conseiller qui réceptionne les appels, justement. Ouais. Et je me suis également positionné sur des postes de conseiller parce que c'est vrai que dans ce métier, pour pouvoir évoluer en général, il est préférable de commencer en bas de l'échelle pour pouvoir s'imprégner un peu du produit, de la culture de l'entreprise, pour se positionner ensuite sur des postes à responsabilité. Et c'est vrai que bon, c'était un marché qui était extrêmement florissant il y a quelques années, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais c'est décentralisé surtout, il y en a de moins en moins c'est en France. C'est ça, oui. Ouais. Oui, complètement. Ouais, c'est vrai que c'est... Donc il y a moins de postes en fait, à pourvoir sur le territoire, en tout cas. Complètement, oui. Ouais. C'est la difficulté. C'est pour cette raison que je me suis professionnalisée, pour me donner plus de chance. Oui, pour monter un petit peu dans le job, enfin dans l'échelle de la technique, hein, dans l'aspect conseil, c'est ça ? C'est ça. Et c'est vrai qu'au premier entretien, moi, j'avais à cœur de mettre en avant voilà, ce titre que j'avais obtenu, qui était que je pensais être une carte en plus à jouer pour mes entretiens. Et puis je me suis rendu compte que sur la mesure, ça pouvait aussi effrayer parce que les employeurs pouvaient s'imaginer que justement c'était peut-être un peu trop pour le poste qu'ils allaient me proposer et que je tournerais peut-être en rond trop rapidement. Alors, est-ce que Grégory, vous leur opposez des arguments quand on vous dit ça ? Alors, est-ce que c'est trop tard, c'est-à-dire c'est après d'avoir passé les différents entretiens ou c'est au cours de l'entretien que la personne vous renvoie, vous risquez de vous ennuyer, vous êtes trop diplômé ? Est-ce que ça vous arrive que ce soit au cours de l'entretien ? La dernière fois que c'est arrivé, c'était au cours de l'entretien. Oui, et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Pendant l'entretien téléphonique qui précédait l'entretien physique, on m'avait précisé que mon CV était intéressant et que... Oui, donc ça, c'était positif. Ouais. C'était positif et c'est vrai que pendant l'entretien, on m'a rétorqué. Et puis j'ai dit que voilà, une carrière pouvait être faite chemin de traverse où on pouvait intégrer l'entreprise par différents moyens et qu'on pouvait ensuite évoluer et que moi, j'étais tout à fait en mesure de répondre à... Enfin, si je m'étais positionné sur une offre, c'est qu'elle m'intéressait. Oui. Mais j'ai bien senti que j'étais pas parvenu vraiment à le convaincre. À convaincre et que l'employeur avait une conviction profonde et que je pouvais pas l'en dissuader. Ouais. Que vous pouviez pas l'en dissuader ou que vous aviez pas trouvé les arguments pour l'en dissuader ?
Ouais, et c'est possible. Peut-être que c'est, on apprend toujours hein, de ces échecs. Hein, c'est fait pour ça. Hein, c'est des échecs, ce sont des expériences, on va dire ratées ou une expérience qui n'a pas encore réussi. Vous savez que le créateur de l'ampoule Edison, hein, on dit qu'il a essayé, je crois, plusieurs centaines en fait d'ampoules avant de trouver le système. Donc il a raté un nombre incommensurable de fois avant de réussir. C'est ce qui est souvent le cas de tout processus de réussite. Les gens qui réussissent ne réussissent jamais du premier coup. Ça n'existe pas. Ça, je vous dis ça d'une part pour justement pas vous décourager, parce que ça me semble très important. Et puis de vous dire, bon, manifestement, voilà l'argument qu'on m'oppose. Comment je peux y répondre au mieux? C'est-à-dire, comment je peux me confronter à la conviction d'un recruteur qui me dit que je vais m'ennuyer? Alors, peut-être que plutôt de dire, hein, c'est une piste que je vous suggère, hein, que bon, ça existe des chemins de traverse, de trop généraliser, parler de vous, de votre motivation. Sous le mode qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire oui bien sûr j'ai souhaité, vous voyez, parler toujours de vous Grégory, parce que vous êtes singulier, c'est vous qui postulez pour le poste, et donc surtout ne généralisez jamais, dites pas oui mais on peut faire ceci ou faire cela, parce que du coup vous sortez de l'argumentation qui vous concerne et donc vous manquez de conviction. La conviction, c'est de montrer votre motivation et de dire « Oui, bien sûr, j'entends votre argument, mais moi, je suis très déterminée parce que si je me suis formée pour plus élevé, c'est justement pour pouvoir rentrer au premier échelon en sachant que je pourrais proposer à l'entreprise d'évoluer relativement rapidement, mais je suis d'accord pour démarrer au premier échelon comme on le fait, vous savez, dans des directions marketing, on fait souvent démarrer les jeunes diplômés par des postes de commerciaux avant d'arriver au marketing, ou alors ils font tout un parcours pendant un an en tant que commercial. C'est le même principe là. Et vous pouvez tout à fait prendre ces images-là, et là vous avez un argument qui est difficilement à contredire. Enfin, et parce que faut que vous soyez très précis, Grégory, en parlant de vous. Et alors, c'est là que j'entends votre découragement. C'est que du coup, comme vous commencez à perdre confiance en vous, ce qui est normal, hein, quand on a l'impression d'aller d'échec en échec, on se dit, bah, en fait, j'ai pas la capacité. Vous l'avez gardé, votre pugnacité. C'est ça qui compte, là, pour le coup. Vous voyez, c'est autant de portes qui se ferment dans lesquelles vous devez donner presque un coup de pied ou mettre un pied dans la porte. Hein. Et il y a certains milieux plus difficiles que d'autres, d'ailleurs, hein, sur le front de l'emploi. Et dans ces cas-là, c'est faire la différence. C'est vous, Grégory, je suis différent des autres candidats. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis différent. On est à la limite, j'ai envie de vous dire. Alors, j'aime pas employer ce mot-là de l'arrogance. En tout cas, vraiment, vous flirtez avec une espèce de forme d'arrogance, en tout cas de ce qu'on appelle, voyez, en coaching, une position haute. C'est-à-dire, vous ne laissez pas abattre, justement, à ce moment-là. Parce que j'imagine que maintenant, dès que vous êtes en entretien et qu'on vous donne un argument contre vous, qui est le jeu de l'entretien, vous dites, ah, ça y est, catastrophe. On est encore en train de me trouver un truc qui va pas, et c'est la prophétie autoréalisatrice qui se met en branle. Ben finalement, je vais pas avoir le poste. Je me demande si c'est pas ça que vous dites. Mon fort intérieur, il joue quelque chose de bouillonnant, et bon, j'essaie effectivement de. Oui, bien sûr. Et puis voilà, c'est des arguments que j'entends, que je comprends, mais qui. Qui vous viennent pas comme ça dans le moment. C'est ça, et j'ai le sentiment parfois que c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas travailler, puisque ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la perception que peut avoir l'employeur sur... Ah oui, mais vous avez quelque chose à voir avec cette perception, c'est-à-dire que vous pouvez faire bouger la perception pour que lui perçoive quelque chose qu'il n'avait pas perçu chez vous. Donc vous avez la main. Je vais vous prendre une autre image. Je ne sais pas si vous avez suivi cet été les Jeux Olympiques, Grégory, mais c'est très intéressant de regarder justement les stratégies à la fois de réussite et d'échec des grands sportifs, qui c'est un parallèle souvent assez intéressant dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on voit bien quelquefois qu'ils frôlent la médaille d'or ou le bronze ou l'argent, et on en a vu pleurer, on en a vu quand même avec des émotions fortes. Et on sait combien le mental a joué à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts techniquement. Vous voyez, c'est comme si vous me dites, ben, mon CV, il est bon, c'est vrai. Votre CV, il est bon. C'est-à-dire que techniquement, vous faites le job. Et puis après, il y a ce plus. Et ce plus, ben, c'est comme chez les grands sportifs, c'est le mental qui fait la différence. À un certain niveau, vous voyez, à CV égal ou à performance égale sur le plan de la compétence, ce qui va faire la différence, c'est la personne, donc ce qu'elle y met d'elle-même et son mental. Et si en face de lui-même, le recruteur voit un jeune Grégory assez sûr de lui, alors je sais, c'est pas évident de vous dire ça comme ça, mais sûr
pas de lui en tant que, vous voyez, un gros ego, mais sûr de ce qu'il est, de son envie de gagner. C'est ça qu'il va sentir. C'est là où la perception peut faire la différence. Et c'est là où peut-être, après toutes les expériences que vous venez de vivre, de travailler maintenant sur autre chose, peut-être de faire un tout petit peu aider ou en coaching ou avec des amis, ou même vous avec un papier blanc et des colonnes plus moins, qu'est-ce qui fait que je fais la différence? C'est quoi mes critères qui me rendent singulier? C'est quoi ce qu'il n'y a pas écrit sur mon CV que personne ne verra jamais et qu'il faut que je dise? Et que si je ne le dis pas, ben je ne saurais pas convaincre. Qu'est-ce qui fait que ce recruteur-là, il ne doit pas passer à côté de Grégory? Non pas pour les compétences qu'il y a sur le CV, mais parce que c'est Grégory. Oui, je comprends. Et ce n'est pas François, Georges ou Frédéric, quoi. Bien sûr. Et c'est là-dessus que vous devez travailler absolument, Grégory, maintenant. Oui, parce que parfois, je m'acharne à vouloir absolument par les compétences, par le travail, par les corps de métier. Oui, mais ça, c'est sur le CV. Et ça, il en a d'autres des comme ça sous les yeux. Peut-être même au même niveau. Et là, oui, et la différence, elle va se faire vraiment dans cet aspect très difficile, vraiment de préparation mentale. Vous devez vous préparer mentalement, comme une épreuve sportive, d'avoir la gagne et de vous dire, voilà, qu'est-ce que moi j'ai qui fait qu'il faut que j'arrive à les convaincre que c'est moi et personne d'autre. C'est la niaque, comme on dit. Oui, bien sûr. Et pour ça... Ben, c'est croire en vous, quoi, croire en votre étoile. Et pas le moment de vous dire, ah là là, j'y vais, mais... Vous voyez, pas vous effondrer à l'intérieur de vous, l'effondrement intérieur, dès que le recruteur vous dit, ah ben non, non, mais à quelqu'un comme vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes trop diplômé, vous allez vous ennuyer très vite dans le poste. Dire, bah écoutez, c'est votre point de vue, renvoyez-le que c'est son point de vue. Oui, c'est ce que vous, vous pensez, mais est-ce que vous me permettez de, moi, vous, que je puisse vous donner mon point de vue? Là, il va vous dire forcément oui. Et là, vous y allez. Oui. Mais alors, tout droit. Tout droit. Oui, bien sûr. c'est vrai qu'elle a la difficulté, c'est que au fur et à mesure, on est de moins en moins bien armé, ou en tout cas, on est de moins en moins en capacité d'accepter. Et c'est vrai que pour les moments qui suivent les entretiens, la période d'attente, puisqu'elle est faite d'espoir et puis de rumination, on se repasse évidemment... de l'entretien, ce qui a été et ce qui l'a moins été. C'est une période compliquée et c'est vrai que c'est des moments que je vis personnellement de moins en moins bien parce qu'ils se répètent. Oui, et que du coup, vous ancrez de l'échec au lieu d'ancrer, au lieu d'ancrer à l'intérieur de vous un processus qui est normal. Vous voyez, je sors par la porte, mais je vais re-rentrer par la fenêtre. C'est vraiment ne pas... Vous savez, l'exercice du courage, Grégory, c'est continuer sans jamais se décourager. C'est faire face à l'épreuve du découragement, le courage. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans le découragement. Et vraiment, aller chercher du courage, c'est dépasser ce découragement, ne pas vous laisser prendre par le découragement, parce que ça peut vous être fatal. Parce que forcément... Vous voyez, tous ces endroits, ces entretiens de recrutement, on sent les personnes, c'est infinitésimal, c'est un ton de voix, c'est une façon de serrer la main, de se présenter, de regarder son interlocuteur, c'est tous ces petits détails-là. Et si à l'intérieur de vous, vous avez peur, parce que forcément, vous avez peur, évidemment que vous avez peur. Et peur de quoi? Forcément d'échouer, puisqu'il y a eu, pour vous, de votre point de vue, d'autres échecs. Mais c'est vraiment d'y aller en vous disant, ok, les autres, ça n'a pas marché, mais celui-là, oui. Puis peut-être celui-là ne marchera pas, mais l'autre, oui. Comme une épreuve olympique. Pensez vraiment aux sportifs, parce que vous imaginez, ils en ont passé des épreuves avant d'arriver sur le podium à la médaille d'or. Et si c'était découragé, jamais ils auraient concouru aux Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. Et ils en ont fait des concours. Et puis il y a des jours où ils n'ont pas été bons, quoi. Juste pas bons, ou il y avait la mauvaise météo, ou ils n'étaient pas en forme, ou il y avait un compétiteur meilleur qu'eux. Oui, c'est tout ça, la compétition. Et c'est vrai que trouver un emploi aujourd'hui, c'est une compétition. Et si vous prenez ça sur le mode du sport, vous allez moins en faire un problème, j'allais dire, trop personnel de « j'ai pas le niveau ». C'est, moi, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas assez bien préparé. Voilà. C'est pas que vous n'avez pas le niveau. Le niveau, vous l'avez. Les compétences, vous les avez. Vous voyez, et c'est pas que vous ne plaisez pas. C'est une histoire de vraiment de travailler votre préparation mentale. Ça se situe là. Votre posture à l'intérieur, toutes les petites phrases que vous vous racontez avant l'entretien, pas les ruminations, pas les « j'ai peur d'échouer ». Ah, il va me poser cette question-là et qu'est-ce que je vais répondre?
Maintenant, vous les avez, les questions qui vous piègent. Préparez-les. Oui, complètement. Non, c'est cette... C'est exactement ça, c'est cette préparation et c'est ce que je renvoie et ce que je ne maîtrise. Enfin, c'est cette image qu'on peut renvoyer et choses qui peuvent nous échapper malgré nous. Ah oui, d'accord, Grégory. Oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes déjà en train d'imaginer qu'est-ce que en face de vous le recruteur pense de vous au moment où vous vous exprimez, la perception. Ouais, vous êtes bloqué là-dessus. Oubliez-le, il n'existe, j'ai presque envie de vous dire, il n'existe plus. C'est la descente à ski, c'est les poteaux de la descente, c'est un écran. Oubliez ça parce que quand vous êtes focalisé sur oh, « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?», alors on perd ses moyens. C'est sûr ça. Et si on est en train de faire quel que soit l'exercice qu'on fait, imaginez quelqu'un qui est en scène au théâtre, un acteur, voilà, et qui est en train d'imaginer pendant qu'il dit son texte ou qu'il joue, qu'est-ce que les spectateurs dans la salle pensent de lui. Il est foutu. Il faut qu'il soit ancré dans ce qu'il est en train de dire, dans ce qu'il est en train de faire, et qu'il faut qu'il habite totalement son texte, sa posture, le pourquoi il est en scène, pourquoi il aime ce métier, pourquoi il a envie de le partager devant un auditoire. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il faut qu'il soit plein de ça pour rencontrer les spectateurs, parce que sinon, imaginez le processus, il est dans la salle au lieu d'être sur la scène. C'est comme si vous étiez derrière le bureau, et que vous étiez en train de vous regarder faire, comme si un projecteur vous regarde et vous dit « Oh, qu'est-ce que je suis mauvais, mon Dieu, mais oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Non, mais là, c'est sûr, je dis une bêtise. Vous vous rendez compte ? Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, là. Oui, c'est ça, à force de vouloir élaborer des scénarios pour me protéger en me disant « voilà, je vais imaginer ces scénarios pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Bah, » finalement, je suis concentré exactement sur la perception que peut avoir la personne que j'ai en face de moi. Exactement. Et du coup, je suis moins dans l'instant et moins dans la spontanéité. Oui. Et vous perdez. Et vous perdez le lien avec vous. Oui. Vous êtes dans son système à lui, c'est-à-dire vous essayez de parer les coups. Donc, vous êtes centré sur lui au lieu d'être centré sur vous. Et lui, il sent quoi? Il sent la peur, il sent que vous n'êtes pas là et vous perdez surtout votre force de conviction. Vous êtes moins convaincant. Oui, complètement. Presque envie de vous dire, le calcul n'est pas le recruteur. Vous venez, vous vous présentez, vous répondez à ces questions, mais en votre âme et conscience, avec votre cœur, avec votre passion, avec votre envie, et puis il prend ou il prend pas. Et tant pis pour lui s'il prend pas. Presque, voilà, c'est ça le deal. Tant pis, il a pas oui Grégory, ben un autre recruteur vous voudra et lui, il aura gagné le jackpot. Et celui-là, il est bête parce qu'il vous a pas choisi. Ben, c'est dommage pour lui. C'est vraiment ça ce qu'il doit y avoir dans votre tête. Oui, complètement. C'est vrai que si je parvenais à aller vers ça, je pense que je pourrais montrer ce qui me correspond vraiment et moins nourrir de regrets quand ça ne fonctionne pas. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui dépend totalement de vous, c'est la responsabilité que vous avez d'être vous-même et d'être entièrement vous-même au moment où vous êtes dans l'entretien. Et vous n'aurez aucun regret. Parce que du coup, ils ne vous auront pas choisi pour qui vous êtes. Et du coup, j'ai presque envie de vous dire que ce n'était pas le bon employeur pour vous. Par contre, celui auquel vous allez vous présenter dans toute votre authenticité, votre savoir-faire, votre envie, votre passion, votre compétence, et qui dira « ouais, alors là, ce gars-là, moi, je le veux dans mon équipe », ça va faire une belle rencontre. Oui, bien sûr. Non, c'est un beau conseil. Je pense que, effectivement, vous avez raison. Dans tout système d'entretien et de recrutement, vraiment, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est soyez le plus près de vous. Parce que c'est là où la personne, tout d'un coup, il va y avoir une rencontre. Sinon, vous êtes chez l'autre et l'autre, il dit, non, moi, je ne prends pas. Je n'ai pas envie de ça. Oui, parce que voyez-vous, on passe un temps fou maintenant à aller sur Internet, à lire des sites qui parlent de préparation sur le recrutement, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire. De quelle posture il faut adapter. Et ça fait très peur. Oui. Un peu comme si on apprenait un truc un peu par cœur en se disant, attention, il faut que je fasse gaffe à ci, à ça. Comme se présenter un défilé de mode. Oui. Non, c'est pas exactement un défilé de mode. C'est pas le bon maquillage, la bonne robe. Oui. Je vais passer des heures à regarder des vidéos de préparation sur les entretiens, à lire des dizaines, des centaines, parfois, de témoignages. Et je suis presque tétanisé en me disant, mais je vais jamais pouvoir. Ah oui. Oui. Oui, parce que vous dites, c'est pas moi ça. Bah non. Eh ben non.
Ben voilà, donc vous n'allez pas être quelqu'un d'autre, parce que si vous cherchez à être quelqu'un d'autre, comme vous n'êtes plus vous, ben vous n'avez plus votre potentiel. Vous avez plus vos, vous perdez vos, de vos capacités en vous imaginant que vous devez être quelqu'un d'autre pour avoir le poste. C'est un peu le piège de ces recettes toutes faites. Vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre. Il y a évidemment des règles, mais je suis sûre que vous les connaissez par cœur. Oui, il y a des petits trucs à savoir, mais oui, tout bête, regarder le recruteur dans les yeux quand vous lui serrez la main, être poli, bien élevé, bien habillé. Enfin, ouais, les trucs tout bêtes, quoi, le basique de chez basique. Mais une fois que vous possédez bien votre CV, que vous savez ce que vous voulez faire, et puis les petits trucs, c'est bien connaître l'entreprise auprès de laquelle vous vous présentez pour vous montrer que vous vous intéressez à elle et poser des questions aussi. C'est important de poser des questions. Oui, évidemment. Voilà. Mais c'est voilà, là je vous donne vraiment du basique, et puis après laissez-vous aller dans l'entretien, soyez dans la vraiment dans la rencontre. C'est une rencontre, un entretien de recrutement, et on se plaît. Je vois ça comme une épreuve à présent, en fait, comme une... Non, pensez à la rencontre amoureuse, Grégory. Je sais pas si vous avez une amoureuse ou une amie, mais oui, je suis comblée de ce côté-là. Ah bah vous voyez, et bah super, et bah servez-vous-en alors. Savez-vous, il y a une capacité de séduction aussi, hein, dans la recherche d'emploi. Il y a une rencontre, on séduit, bien sûr. On fait du charme, d'une certaine manière. Du charme sur ses compétences, sur son potentiel, mais on montre son potentiel. Donc oui, il y a bien sûr qu'il y a toute une phase de séduction. C'est vrai que j'en viens à l'oublier, en fait. À force de répéter les mêmes gestes, ça devient... Ah oui, alors du coup, vous êtes mécanique, un peu coincé et paniqué, quoi. Ça sent la panique, ouais. Ah ouais, je peux me montrer un peu froid parfois même. Eh oui, alors le recruteur, il se dit, soit ce gars-là, il n'est pas trop sûr de lui, soit là, bah dis donc, pour un gars qui fait du conseil en centre d'appel, bah, il n'est pas très, très rond dans la relation. C'est ça, voilà, absolument. Eh oui, eh oui. Mmh. Alors que là, moi, quand je vous entends, hein, c'est totalement fluide, hein, et pourtant, vous êtes à la radio. J'essaie de l'oublier parce que effectivement, ça... Et ben voilà, vous voyez, ça, c'est intéressant ce que vous venez de me dire, parce que vous ne calculez pas... Tous les auditeurs, vous n'y pensez pas, tous ceux qui vous écoutent, et du coup, bah, vous êtes vous-même. Bah, reprenez, voilà, mettez-vous mentalement en prochain entretien exactement dans ce que vous vivez là ce soir avec moi. Mmh. Et là, vous êtes bien en lien avec vous, moi, c'est ce que j'entends. On est plus dans la rencontre et... Mmh. Et puis, oui, c'est vrai qu'en essayant de vouloir être quelqu'un d'autre... Non, c'est pas facile. Hein. Ben, d'être quelqu'un d'autre, c'est pas très facile. C'est mieux d'être soi, finalement. Non, bien sûr, mais c'est vrai que le contexte est si compliqué que voilà, chaque entretien est un enjeu. Et c'est vrai, c'est vrai. Le fait d'avoir un entretien est une chance en soi aujourd'hui, donc ouais. C'est ce qui rend la démarche compliquée aussi. Oui, c'est juste. Non, ça, c'est juste. Il y a de toute façon une réalité de marché. Donc ça, vous n'y échappez malheureusement pas. Et votre âge, voilà, vous êtes très nombreux sur le marché du travail en ce moment à en chercher un. Donc oui, ça tend effectivement les enjeux. Raison de plus pour ne rien perdre de soi dans ce challenge-là. Mmh. Et pour vous faire confiance. Faites-vous confiance, mais à fond. Parce que vous serez étonné du résultat. C'est ça qui va faire la différence. Mmh. Donc laissez tous ceux qui regardent les sites là en boucle et puis vous tracez votre route, Grégory. Oui, je vais essayer de mettre en application tout ça. Ouais. Il y a Nini, hein, qui dit que c'est une problématique qui pourrait être prise en charge en sophrologie avec une technique de visualisation d'une situation réussie positive. Oui, ça peut être une piste, ça peut vous aider la sophrologie, effectivement, sur des techniques de visualisation positive. On vous met en visualiser situation. Visualiser l'instant du recrutement et le voir... Le succès, oui, de se mettre en visualisation de succès, effectivement, d'accord. Et d'ancrer des images. Ça peut vous aider si vous êtes réceptif. Pourquoi pas, c'est une bonne idée que donne Nini. Mmh. Et puis, il y a un autre auditeur qui envoie un SMS en disant que vous pourriez vous mettre en lien avec Solidarité Nouvelle face au chômage pour retrouver de la confiance et le chemin de l'emploi. Parce que voilà, l'auditeur dit qu'il y a une écoute là, que vous trouverez une écoute et que ça pourrait éventuellement vous aider. En tout cas, il y a à travailler sur votre confiance et sur votre authenticité, votre singularité. Qui fait que Grégory, c'est pas le voisin, quoi, que vous êtes unique. Mmh, n'oubliez pas ça, et vous ferez votre petit tableau, là, avec les petits plus. Ne mettez rien dans la colonne des moins, mettez que les plus, d'accord? J'y manquerai pas, merci infiniment. Et tenez-vous au courant, hein, Grégory, avec d'accord? Avec plaisir. Ouais, les bonnes chances à vous, hein, je vous souhaite beaucoup merci de chance beaucoup. Hein, cette rentrée. Merci encore. Au revoir, merci. Au revoir, Sophie. Toutes vos confidences à Sophie Peters, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Anna. Bonsoir. Bonsoir, mm-hmm. Sophie. Merci. Alors, vous nous appelez pour votre situation sentimentale, je crois, Anna, c'est ça? Oui, c'est bien, oui. Ça. Mm. Oui. Alors moi, dernièrement, Sophie, je viens de me rendre compte, par rapport à tout mon vécu, que j'étais jamais une femme fidèle. J'étais jamais une demoiselle fidèle. Et je croyais peut-être auparavant que c'était peut-être des expériences, des aventures d'une adolescente. Mmh. Après, je me suis mariée. Là, j'ai deux jumelles de 6 ans. Et je vis toujours la même situation. Je le dis avec beaucoup d'amertume. Oui, ça s'entend. Sachez que je ne suis pas une femme vicieuse. Je ne suis pas une femme qui cherche peut-être des aventures physiques ou quoi que ce soit. Mais je suis toujours à la quête d'un autrui que je connais pas, d'une aventure qui dure peut-être une semaine ou deux, sans mener à rien, mais je suis toujours en quête. Mmh. Et c'est une situation qui commence vraiment à bouleverser ma vie. Oui, et vous en souffrez. Oui. Mmh. Oui. Sachez que j'ai connu quelqu'un pendant mon mariage et j'ai divorcé à cause de cette personne. J'ai tout fait pour reconquérir cet amour, pour conquérir pardon, cet amour. Et après, j'ai fait de tout mon mieux pour quitter mon pays, pour quitter mon travail, ma vie, mes amis, ma famille, pour venir vivre ici finalement. Et cette personne, elle a fait de tout son mieux pour me rejoindre. Et elle a quitté aussi son vécu aussi. Et après, j'étais même pas reconnaissante. Mmh. Donc là, je viens de me rendre compte que je ne sais pas si c'est pathologique. Je ne sais pas, j'arrive même pas à décrire ma situation. C'est grâce à un ami à qui j'ai parlé dernièrement. Je lui ai décrit ma situation. C'est quelqu'un de connaisseur, c'est quelqu'un du domaine. Il m'a dit qu'il fallait voir un psychiatre ou un psychologue et que ma situation, elle n'est pas mon cas, c'est pas normal. Oui, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de, vous voyez, d'un manque, de quelque chose qui n'est jamais comblé, que vous avez tout le temps besoin de combler en espérant autre chose. Parlez-moi un peu de votre enfance et de la relation du couple, de vos parents, de la petite fille que vous étiez par rapport à l'amour. Alors moi, j'étais une fille très gâtée. J'étais la fille à papa, comme on dit. Et j'ai grandi dans une famille, par rapport au pays où j'ai grandi, c'était une famille très ouverte d'esprit, c'était un papa très ouvert d'esprit, et d'un seul coup j'ai perdu mon père dans un accident de voiture. Et par rapport à mon enfance, moi j'ai beaucoup souffert quand j'étais trop petite. J'ai subi des choses que... au jour d'aujourd'hui, j'arrive même pas à les décrire. J'ai subi beaucoup de viols quand j'étais toute gamine, à l'âge de mes filles ou même un peu moins. Et c'est à cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui. C'est la seule personne qui connaît tout ça. Vous voulez dire que vous avez subi des viols enfant, petite fille? Oui, oui, tout à fait. Ah, à quel âge? C'était à maintes reprises. La première fois, c'était peut-être à l'âge de 4-5 ans. Et dans la famille alors? Oui, c'était des gens qui faisaient partie de ma famille. Oui. Et vos parents étaient au courant? Vous avez été protégée? Non, jamais de la vie. Oui. Non, jamais de la vie. Mais c'est pour ça qu'on sent une immense souffrance quand vous parlez, Anna. Ouais. C'est ce que je. Bien sûr qu'on sent. Que je me reproche peut-être. J'aurais dû parler peut-être à mon père parce que c'était quelqu'un du. Mais oui, qui vous aurait protégée. Exactement. Et mon père, c'était un médecin, donc c'était peut-être quelqu'un qui pouvait m'aider le maximum possible. Et vous avez osé le dire à aucun adulte, petite, aucun comme adulte. Ça? Aucun adulte, jusqu'à là, il y a 4 ou 5 ans, j'ai parlé à mon partenaire. Oui. Et j'ai parlé avec beaucoup d'amertume. Et je sais pas, un soir, j'avais envie de parler, j'ai parlé. J'ai craché son morceau et j'ai commencé à parler petit à petit. Et je parlais, comme on dit, épisode par épisode. Ouais. Je pouvais pas parler de tout en un seul coup. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à parler des détails. Oui, j'arrive c'est pas. Normal. C'est encore très traumatisant parce que tellement loin et enfoui et que la petite fille a pas pu en parler. Mais vous voyez, j'ai le sentiment que dans... l'infidélité que vous décrivez aujourd'hui, c'est la recherche de quelqu'un qui vous protégera et d'aller
d'homme en homme comme ça, c'est comme si vous répétiez la honte de la petite fille qui n'a pas su se défendre. Ce que vous faites à la femme d'aujourd'hui, vous le faites aussi à la petite fille qui, elle, n'a pas pu se défendre. Oui. Et c'est pour ça que c'est si douloureux pour vous. Et comme vous démarrez d'ailleurs votre témoignage en disant « Mais voilà, je ne suis pas mauvaise, c'est pas de la perversité », on sent que c'est tellement douloureux pour vous et que c'est malgré vous, comme oui. si c'était une destinée inscrite en vous. Oui, je ressens ça même par rapport à mon attitude vis-à-vis de mes filles. Là, mes filles, je sais qu'elles sont encore jeunes, mais j'essaie de leur parler, vu que je ne sais pas, par rapport à ce que j'ai vécu, j'essaie d'avertir mes filles d'une façon un peu comme une maman, quoi. Oui, mais attention à ne pas leur faire peur, mais soyez vigilante, surtout de l'entourage de vos filles, bien sûr. Justement. Bien sûr, vous avez justement. Raison. Oui. Justement. Après, voilà, donc... Si j'essaie de faire un flashback par rapport à ma vie, quand j'essaie de me comparer en tant que femme et maman, je vois que je suis une maman, pour ne pas dire des conneries, je suis une maman qui commence à réussir son chemin avec mes filles. Là, je vois mes filles qu'elles sont en train d'avancer. Ça fait 2 ans presque qu'on est en France. Quand on est venu, elles parlaient aucun mot en français. Là, mes filles, elles parlent couramment le français. L'année dernière, j'ai reçu une lettre de félicitations de la part des maîtres de mes filles. Donc, je sens que je suis en train d'avancer par rapport à mes filles. Je suis en train de faire la tâche de maman. Mais après, est-ce que je serai une femme modèle par rapport à mes filles? C'est ce qui commence à m'inquiéter. C'est là où l'infidélité vous inquiète, parce que vous dites « je ne peux pas être un modèle pour mes filles si je suis infidèle ». C'est exactement, ça, vous voulez dire ? Exactement. Oui. Exactement. Oui, ce qui n'a rien à voir, Emna, parce que là, c'est pas être une femme modèle pour vos filles. La femme n'appartient qu'à vous. Vous n'avez pas été une femme modèle pour vos filles. Et ça, c'est votre histoire intime que peut-être un jour, quand vous l'aurez travaillé, un peu élaboré, vous pourrez confier une part de votre histoire peut-être à vos filles, en fonction de votre avancement dans le travail sur vous. Mais le plus urgent pour vous, c'est de rencontrer la petite fille blessée chez vous, parce que c'est formidable de prendre soin comme ça de vos filles, comme si d'ailleurs il s'agissait de votre propre petite fille intérieure. Oui. Mais maintenant, c'est la petite Emna qui a besoin de vous et de toute urgence. Et c'est là où elle va, vous allez pouvoir avec elle restaurer la femme dans toute sa grandeur, parce que cette femme dont le papa était tout pour elle, et à qui vous n'avez finalement même pas fait, enfin, il vous aimait tellement que vous avez eu peur de le décevoir en lui avouant ce qui vous arrivait. Exactement. Mais oui. C'est bien ça. C'est très très douloureux, Emna, parce que au lieu d'aller chercher la confiance d'un papa qui vous aimait, vous vous êtes dit « mais si je lui dis, je vais perdre son amour, puisque je suis sa petite fille chérie ». Oui, exactement. C'est ce qui me déchirait. Je croyais toujours que je vais décevoir mon père. Mais parce qu'en fait, en étant violée, vous étiez infidèle à votre père d'une certaine manière et vous répétez inlassablement cette scène-là alors que vous êtes mariée. Exactement. Exactement. Et je pensais que au jour d'aujourd'hui, je sais pas comment le dire, mais moi j'ai quitté mon pays pour 13 ans. Mais la raison la plus clairvoyante pour moi actuellement, c'est que je me suis révoltée par rapport à beaucoup de choses. Je me suis révoltée par rapport au papa de mes filles qui disait toujours que je suis pas la maman exemple pour mes filles, que je suis pas la maman modèle pour mes filles, que je serai toujours une femme vicieuse par rapport à ce que j'ai fait. Et là, je suis vraiment dans un état de détresse. Oui. Alors, on va trier, Emna, parce qu'il y a d'un côté la maman qui n'est absolument ni une femme vicieuse, ni une femme perdue pour ses filles. Parce que Emna, c'est une mère. Et le meilleur de la maman que vous puissiez être avec vos filles, c'est d'être vigilante et donc de les protéger. Pas trop, mais en tout cas, quand je parle de vigilance, c'est d'avoir l'œil à ce que l'histoire ne se répète pas pour elle. Donc, à qui on les confie, qui y a dans son entourage, les sorties d'école, etc., etc. Donc ça, c'est de la protection, c'est de la vigilance qui concerne effectivement la maman et que j'entends que vous avez complètement à cœur d'exercer. Et donc, vous êtes forcément la très bonne maman pour vos filles. Donc là,
j'allais dire, ce contrat-là, mais ce vrai contrat en termes de confiance, d'amour, de vigilance, il est totalement rempli. Maintenant, il y en a un qui n'est pas du tout rempli, Emna. C'est vous avec vous. C'est la femme que vous êtes avec la petite fille que vous avez été. Elle, elle a besoin que vous alliez la rencontrer, la rassurer et surtout la réparer. Cette petite Emna-là qui n'a jamais parlé, qui a vécu des horreurs absolues. Je pense, Emna, maintenant que vous avez des filles aussi, à quel point vous pouvez comprendre, même dans l'adulte et la femme que vous êtes, à quel point c'est de la destruction absolue. Il n'y a pas pire. Voilà. Exactement. Voilà. Moi, ce qui me torture, c'est l'une de mes jumelles qui est très attachée à mon partenaire parce qu'il était là depuis 5 ans et elles ont grandi avec lui, elles ont fait leur premier pas avec lui, donc il était tout le temps là, c'était le papa présent, donc il était toujours là par rapport à mes filles et quand je me suis séparée de lui, il y a toujours l'une de mes jumelles qui veut le revoir, qui me demande souvent de le revoir. Mais si j'ai fait ce pas pour le revoir, c'était peut-être pour elle. Et quand je lui ai dit que, voilà, je l'ai fait pour faire plaisir à ma fille. Mais après, moi, au fond de moi-même, je sais que cette personne, elle ne me mérite pas. Donc, j'ai craché le morceau, j'ai dit ce que j'ai à dire. Et il m'a demandé d'être fidèle. Je lui ai dit, je te promets pas. Je te promets pas parce que ça dépend pas de moi. Et c'est peut-être le moment le plus difficile dans ma vie que, voilà, pour une fois, j'essaye d'avouer ma vérité. Oui, et comment il a accueilli ça? Il a accueilli à cœur ouvert. Ah, c'est formidable. Ah oui, c'est quelqu'un de... Il a accueilli à cœur ouvert, il m'a dit, moi je suis là, je suis à tes côtés. Après, à chaque fois que tu te sens tentée par une nouvelle expérience, fais-moi signe. Après, moi je peux pas le faire. J'ai pas la capacité de lui dire voilà. Non, il faut pas. Non, Emna. Non, là, ça s'arrête là. À cet endroit-là, ça s'arrête. Bien sûr que non, que vous allez pas lui faire signe, ça voudrait dire que vous lui donneriez le pouvoir sur vous. Non, non, il y a que vous qui avez ce pouvoir-là sur vous. Oui. Parce qu'un homme ne doit plus avoir de pouvoir sur Emna. C'est ça pour vous qui est difficile. Oui. Ce qui est difficile, c'est que la petite fille de 4 ans, des hommes, donc, ont eu un pouvoir qu'ils auraient pas dû avoir sur elle. Donc, attention, vous, en tant que femme, à ne pas laisser du pouvoir là où il ne faut pas qu'il y en ait sur vous, parce que c'est quelque chose que vous savez faire, hein, laisser le pouvoir à un homme sur vous, parce qu'il n'y a pas eu de protection de la petite fille. Donc vous avez beau savoir protéger vos filles, c'est plus difficile de vous protéger vous aujourd'hui que de protéger vos filles. Oui. Donc oui, Emna, ce qui serait vraiment très important, c'est de vous faire accompagner là. Vraiment un psychiatre ou un thérapeute ou un psychanalyste, un psychothérapeute, qui vous voulez, quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment en confiance et à qui vous allez, qui va vous guider, parce que c'est le thérapeute qui va vous guider dans votre histoire et dans votre passé et dans votre enfance, qui petit à petit, très doucement, va faire remonter à la surface les événements, pouvoir les raconter, mettre des mots dessus, les retraverser. Ça va faire mal, ça va saigner, ça va être vraiment une douleur, mais vous allez vous en délivrer comme ça, Emna. Et vous allez pouvoir décider en tant que femme après. Après, moi, après, ce que je rêve de vivre, c'est de faire une petite famille tranquille, ordinaire, stable. Oui. Je ne demande pas plus. Oui, mais pour ça, Emna, pour ça, il faut que vous occupiez de vous. Je ne demande pas plus, mais bien sûr, mais pour accéder à ça, vous devez repasser par le trajet de votre enfance. Vous voyez, une auditrice qui dit une histoire similaire, un inceste très jeune, et moi je n'arrive pas à aimer physiquement et je ne montre pas d'amour. Je m'en veux car mes filles ne savent pas ce que c'est aimer. Et pareil, je cherche l'amour et j'ai mis ma vie de femme entre parenthèses. Ne vous mettez pas, Emna, entre parenthèses. Et là, j'entends tellement de souffrance en vous que vous pouvez pas continuer à la masquer, celle-là, parce que vos filles que vous aimez tant et que vous souhaitez protéger ne vont plus être protégées à un moment donné par votre souffrance. Vous voyez, votre souffrance va être telle que ça va encombrer cette relation. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les petites filles que vous avez aussi. Et ça saignera, vous voyez, la propre petite fille que vous avez été. Sachant qu'une de mes filles, celle dont je parlais tout à l'heure,
elle me ressemble comme pas possible oui. par rapport au caractère. Et elle a mis les pieds carrément dans une dépression quand elle avait 3 ans. Et j'ai essayé de la ramener chez un pédopsychiatre. Oui. Quand j'ai ramené ma fille, j'ai commencé à parler de ma fille. Il m'a dit, madame, il faudrait qu'on commence à vous soigner, vous. Et il a directement détecté que je suis en train de passer par une dépression. Donc, oui, parce qu'on retraverse, vous savez, votre fille avait 3, vous dites ça a commencé à 4 ans, et donc on repasse en fait dans, à travers de nos enfants, dans les âges où nous-mêmes nous sommes passés. Donc oui, ça a fait écho, bien sûr. C'est pour ça que c'est si important, et vraiment j'insiste, Emna, et vraiment je vous remercie d'avoir appelé ce soir, et c'est formidable le courage que vous avez eu d'en parler comme ça à l'antenne. Là, je vous appelle... Oui. J'ai fermé toutes les portes, je suis dans le noir, comme si j'ai même honte de moi-même. Je ne veux même pas me regarder dans la glace ou quoi que ce soit. Non, n'ayez pas honte, on vous a blessé, Emna. La petite fille, c'est, la femme a honte pour une petite fille qui n'a pas pu se défendre. Ce n'est pas que vous n'avez pas su. Vous voyez, avoir honte, ça voudrait dire que vous avez voulu quelque chose. Vous avez été forcée, abîmée, violée, c'est le terme, d'une petite fille de 4 ans. C'est inimaginable, Emna. Donc non, je sais bien hein, que c'est le sentiment naturel, hein, la honte dans ces cas-là. Parce que ben, la petite fille que vous étiez sait très bien que tout ça n'était absolument pas juste et pas normal. Et la honte, c'est celle que vous portez depuis si longtemps, celle que ce que vous n'avez pas osé dire à votre papa de peur de perdre son amour. Emna, votre papa est toujours vivant aujourd'hui ? Non, il est décédé, je vous ai D'accord. dit qu'il est décédé. Oui, c'est vrai. Faites-le pour lui, Emna. Vous ne risquez plus de perdre son amour, il vous est acquis. Alors maintenant, faites-le. Oui. Levez ce voile-là. Ne restez pas enfermé dedans. Hein, c'est un auditeur qui dit « Vous n'êtes pas coupable, vous êtes une petite fille et une jeune femme victime. Libérez-vous de toutes ces croyances dans lesquelles on vous dit que vous n'êtes pas une bonne personne. Vous êtes une belle personne sensible et une bonne maman. » C'est important que vous entendiez ce message, oui. Emna. Oui. Hein, et vos larmes en témoignent. Donc vous avez besoin d'être aidée. Vous êtes une victime, vraiment. Et une victime tout à fait innocente, une toute petite fille qui a été abusée de façon monstrueuse. Donc après, vous croyez que si je fais des séances de thérapie oui. et tout, je serai quelqu'un de... Je serai une femme ordinaire, normalement. Eh oui, exactement. Pas une femme ordinaire, parce que vous n'êtes pas ordinaire, Emna, ce sera votre histoire. Mais vous arriverez à vous respecter là où on ne vous a pas respecté. C'est ça qui compte. Vous respectez parce que vous ne l'avez pas été. Bon courage, Emna, je vous embrasse très Merci fort. Sophie. Je vous serre Merci. Dans mes bras. Bon courage. Au revoir, Merci Emna. Merci, Sophie. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct. Une libre antenne où on essaye de comprendre des choses sur soi, sur ce qui résonne en soi-même. Et pour que cela résonne en vous, il faut vous être rencontré. Parce que tant qu'on n'a pas un début d'élucidation de qui on est, eh bien on ne saurait recevoir quelque chose de l'autre. Alors ça tombe bien, c'est le lieu ici, dans cette émission, où pendant cette heure, eh ben, on va parler de vous, de vos ombres, de vos frayeurs, où je cherche avec vous à vous élucider justement. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39-21 et c'est Fabrice qui réalise cette émission. N'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail sur europe1.fr rubrique libre antenne. Allez, 39-21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Florence. Bonsoir Sophie, merci de prendre mon appel. Voilà, moi je suis en très grande culpabilité aujourd'hui de ce qui m'arrive.
voilà, de ma vie. Donc, oui. J'ai 50 ans. Coupable de quoi? L'échec de mon couple. Toute seule, comme ça? Je sais pas. Je suis on va en parler, la culpabilité. Donc, vous avez 53 ans, donc? J'ai 53 ans. J'ai été mariée, je me suis mariée à 18 ans. J'ai eu trois enfants. Excusez-moi, Florent, je vous arrête une petite un instant. Vous avez peut-être un kit Manly parce que ça résonne en fait. Non, j'ai rien du tout. Ah non, bon, rien du tout. Avec Fabrice, on est cherché de savoir, mais on va essayer de régler le son. Alors pas de problème. Donc vous êtes mariée à 18 ans. Je suis mariée à 18 ans. Mmh. On s'était connus donc au lycée. C'est vrai que je suis tombée enceinte avant mariage à cette époque-là. Je vous montre de ça il y a plus de 30 ans. Donc j'étais en plus dans une famille où j'ai été élevée dans le catholicisme, enfin les traditions. Donc quand j'ai dû annoncer ma grossesse avant mariage, ça n'a pas été facile quoi. Mmh. Bon, et puis on s'est mariés. Ensuite on a eu un autre enfant, un deuxième garçon. Et puis moi j'ai un problème, j'ai un problème, je suis très hypochondriaque. Oui. Ce qui m'a toujours valu des tas de problèmes parce que j'ai peur, voilà, j'ai peur de la maladie. Bon, ça a été déclenchement de beaucoup de choses, j'ai fait pas mal de dépression. Enfin bref, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve seule parce que. Je crois que j'ai peut-être pas su, je me dis que tout est de ma faute, j'ai pas su garder mon mari. À force, alors, nous avons eu beaucoup de projets qui se sont pas réalisés. Sur ce, j'ai Pourquoi perdu mon... Quand vous dites on a eu beaucoup de projets... Parce que nous sommes partis dans une région, nous étions partis pour une région du Sud avec des projets qui n'ont jamais pu être réalisés. Sur ce, le moral en prenait un coup tous les jours. Et pas réalisé parce que chacun ne mettait pas du sien, parce que c'était infaisable, parce que... Pour tout vous dire, on s'est mariés, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup aidé financièrement jusqu'au bout, pratiquement. Pratiquement. J'avais un mari qui me semblait, qui m'avait semblé, comment vous dire, très, très gentil. Mmh. Et quand je me suis mariée, j'ai découvert quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai découvert, c'était pas celui que j'avais idéalisé, on va dire. Oui. Et moi, j'idéalisais, je voulais reproduire la vie de couple de mes parents où j'avais... Mmh. Où j'avais cru, ouais, 18 ans. Ouais. J'avais cru que c'était bien. Sur ce, mon père est décédé en 2000. Et là, paf, lors du décès de mon père, j'apprends des secrets de famille. C'est-à-dire du passage de fille unique, j'apprends que j'ai trois demi-sœurs. J'avais 40 et quelques années à cette époque-là. Ah, tiens, vous me dites, mon mari, c'est pas celui que je pensais, mon papa, c'est pas celui que je pensais. Ouais. Voilà. C'est ça le lien, ouais. Je crois que oui. Et choc. Ouais. Choc parce que, de plus, il y a eu, sur les trois filles qu'il a eues avant moi, parce que moi, on m'a jamais parlé de ça. Hein. Pour moi, j'étais fille unique. Hein. Moi, mes parents ne m'ont jamais parlé de ses demi-sœurs. Votre mère le savait ? Alors, ma mère savait pour son mariage, il avait été marié, divorcé, ça, ma mère le savait. Mais entre-temps, et personne ne l'a su, mon père a eu une autre fille. Et je l'ai découvert, vous savez comment ? Sur Internet. Par Internet. Par les réseaux ? Ouais. Mmh. C'est à l'époque mon fils qui me l'a appris. Parce qu'il avait tapé... Il me dit, on recherche papy sur Internet. Je fais quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis allée voir. Et oui. Donc, celle-là, il ne l'a jamais reconnue. Mmh. Ça a été un choc. J'en pouvais plus. Sur ce,
je suis tombée en dépression. En dépression parce que avec tous les échecs que j'avais déjà eu, que j'avais fait auparavant, on était parti dans le sud en ayant des projets qui ne se sont pas du tout réalisés ou tout c'est vraiment j'ai éclaté. Et sur ce, comme ma mère nous finançait à l'époque encore, parce que mon mari, je sais pas, il s'était mis dans la boisson. Ah. Oui. Il s'est pas mis dans la boisson, il est alcoolique, c'est ça? Il refusait de l'admettre. Ah. Il refusait de l'admettre. Et quand ma mère a dit non, je ne peux plus vous aider financièrement. Et moi j'étais en dépression, j'étais pas bien. Il est reparti chez sa mère. Et moi, il m'a remonté chez la mienne. Et depuis, je n'ai plus une nouvelle, ni de mes enfants, ni de personne. Ça date de quand, ça, Florence ? 2007. Non, 2009, pardon, excusez-moi. Et vos enfants sont partis avec lui ? Alors, j'ai déjà deux grands-enfants. J'ai deux fils qui sont des adultes. Oui. Et j'ai ma fille qui avait 7 ans, 8 ans à l'époque. Et que j'ai pas revu. Mais il a eu la garde. Oh, c'est compliqué. Disons que culpabilisant que j'étais mal dans ma peau, que j'étais en dépression, que je ne pouvais plus, et que j'étais chez ma mère, je voulais pas lui imposer beaucoup de choses parce que j'ai laissé tomber. J'ai pas réagi, on va dire. Voilà. J'ai plus de force. Mais alors que le papa était alcoolique ? Ça se voyait pas. Enfin, je veux dire, à part moi qu'il savait. Et vous étiez trop en dépression, en fait, c'est ça ? Je ne réagissais plus. Ouais, j'ai fait même. Si, parce qu'après, au bout de 2 ans, j'ai quand même réagi. J'ai fait une demande de divorce. Ouais. Enfin, j'ai fait même demander pour garder mes droits parentaux. Il ne s'est jamais présenté. Il n'est jamais venu devant les tribunaux. Il n'est jamais venu. Vous a empêché de voir votre fille pendant toutes ces années. Alors la première année. Elle vous a pas réclamé. La première année, je l'ai eu quelques jours. Moi, j'étais très très mal parce que j'avais une souffrance. J'avais élevé mes enfants et j'avais plus là. Vous n'aviez plus la force. C'est pas ça, je me dis, je peux pas être une mère intermittente. Parce qu'il est à 800 bornes de moi. Et donc vous avez préféré de vous dire, je préfère lâcher que d'être une demi-mère ou une mère intermittente, comme vous dites. C'était ça, à l'époque. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Et puis la force, j'imagine, si vous étiez en dépression. Culpabilité, j'arrêtais pas de dire, j'ai fait des bêtises, tout est de ma faute. Et du coup, c'était une raison pour que vous culpabilisez encore plus ? Disons qu'en plus, j'ai fait des tentatives de suicide. De suicide. Disons que... Oui, voilà, j'ai... Et aujourd'hui... Vous êtes soignée, Florence ? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ? J'ai essayé, puis après je me suis dit non, ça... J'ai essayé. Essayer, vous savez ce que ça veut dire, ce verbe. Essayer, ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Voilà. C'est des tentatives. Hein. Quand j'essaye, je fais une tentative, mais je n'en réussis pas. J'ai pas été jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, j'ai perdu ma mère. Oui. Elle est décédée. Elle a été... Enfin, j'ai eu le courage d'accompagner ma mère... Jusqu'à la fin de ses jours. Quand on m'a appris qu'elle passait une... Je l'amenais pour une radio, un simple contrôle. Et le médecin venait me voir en me disant « On vient de voir que votre mère n'en a plus pour longtemps. Vous prenez ça en pleine figure. Vous êtes en dépression. Je sais pas où j'étais chercher mon... Mais j'ai accompagné ma mère jusqu'au bout. Jusqu'au bout de... En lui faisant rien paraître, elle n'a jamais su de quoi elle était morte. J'ai voulu... Parce que j'ai... En plus, avec ma mère, ça se passait mal. Les relations que j'avais avec ma mère... Pour moi, j'étais partie à 18 ans, je reviens
à peine, j'avais à peine 50 ans, j'ai vécu ça comme un échec. Oui, c'est normal que ce soit douloureux ou que ça sonne, bien sûr, sur le moment comme un échec. Mais ce qui interroge plus, Florence, c'est que, en fait, tous ces, ce que vous appelez vos échecs, hein, finalement, en fait, comme si vous étiez la responsable et ce qui crée votre culpabilité, quand on vous écoute raconter votre histoire, vous êtes la responsable de tout ce qui vous est arrivé. Parce ce qui n'est pas tout à fait juste. Non, mais attendez, parce qu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'on va me découvrir un lupus parce que j'ai eu des problèmes. Oui. Et alors là, je me suis effondrée de nouveau. C'est l'hypochondriaque qui parle hein, ou... Oui. Oui. C'est l'hypochondriaque. Parce que, Parce que j'ai aucune adversité devant la maladie. Je ne me bats plus. C'est que là, la maladie, elle vous permettrait enfin d'être presque une aide parce que ça permettrait d'expliquer, en tout cas, de vous donner la preuve que vous ne pouviez pas faire autrement et donc d'alléger un peu cette culpabilité. Mais la culpabilité, là où elle vous est totalement... improductive et voire très très malsaine pour vous, c'est que vous vous pensez toute puissante dans tout ce qui vous est arrivé. Vous parlez de vos échecs, de comment voilà que c'est vous qui avez donc raté, comme vous l'avez dit au tout début, votre vie. Et donc comme vous vous sentez responsable et coupable, qu'on soit responsable de nos vies, bien sûr, on l'est, mais on n'en est pas pour autant coupable. C'est une grande différence. La culpabilité voudrait dire qu'on est tout puissant à décider constamment de ce qui arrive. Et la seule chose d'ailleurs que vous ne pourriez pas contrôler, c'est la maladie, d'où la peur, et ça va avec la culpabilité. Ce serait la seule délivrance possible dans ce cas-là de votre culpabilité. Donc vous avez raison d'une certaine manière d'être hypochondriaque en étant autant sous le joug de la culpabilité. Vous voyez, c'est deux choses qui vont ensemble. Et moi, ce que je voudrais revenir, Florence, c'est cet état dépressif. Quand vous dites j'ai essayé, et puis quoi, vous avez arrêté, vous avez dit c'est pas possible, je m'en sortirai jamais. Qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, pour moi, je pense savoir que ça devient de mon enfance. J'étais très protégée. Ça, j'ai pas été malheureuse dans mon enfance. J'étais très protégée. Et puis tout d'un coup, vous découvrez, une fois adulte, que le monde dans lequel vous avez été élevé, c'était pas celui-là, comme un grand mensonge. Et puis votre mari aussi, c'est ce qu'on comprend. Finalement, je découvre que l'homme que j'ai épousé... J'aime trop les gens. Et Vous avez idéalisé, oui. Comme vous avez idéalisé le père, idéalisé le mari. Et puis tout ça s'est écroulé, comme pour une petite fille. Un château de cartes. Donc je vous dis bien, c'est bien que ce que je pense, c'est que j'ai... Ah ben non, une petite fille, elle est ni responsable ni coupable. Vous voyez, Florence, si vous êtes en situation de petite fille dans votre vie, alors vous vous rendez coupable, finalement, de ne pas pouvoir être responsable, d'une certaine manière. Mais la petite fille, la culpabilité qu'elle a, c'est comme une honte. Vous, ce que vous racontez, c'est comme une honte. Une honte d'enfant qui dit, qu'est-ce qui m'arrive et j'ai rien fait, pourquoi ça m'arrive à moi en mode victime? Donc il n'y a rien dans votre vie, mais on comprend, hein, bien sûr, avec les épisodes dépressifs, parce que vous parlez de tentative de suicide, vous êtes tombé malade, hein, c'est une maladie. Parce que vous me parlez d'hypochondriaque, mais être dépressif en faisant des tentatives de suicide, c'est que vous êtes dans la maladie de la dépression. Votre mal vous dit quelque chose, là, vraiment. Et là, celui-là, j'ai l'impression que c'est trop difficile de l'écouter pour vous. Disons que là, en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, j'ai mes deux garçons que j'ai élevés ne me parlent plus, m'ont tourné le dos. Donc il y a bien quelque chose quand même, ça signifie quelque chose. Avec, en vous disant quelque chose ou sans rien à vous dire? Je n'ai jamais su pourquoi. Parce que, Florence, vous savez, pour des enfants, une maman qui ne va pas bien, voire très mal dans votre cas, hein, on peut le dire. Oui, mais ce n'a pas toujours été. C'est vrai, mais il fuit la maman qui va mal. Ils ne se souviennent pas de la maman qui va bien. Tout ce qu'ils voient, c'est une maman qui ne va pas bien. Et donc, ils se protègent. Oui, ça, je l'ai compris, ça. Je le sais. C'est pour ça que je ne les embête pas. Est-ce que vous ne les embêtez pas? Parce que la meilleure façon d'être avec eux, ce serait de vous soigner, de faire quelque chose pour vous. Ce serait aussi faire quelque chose pour eux et de pouvoir
retrouver le lien avec vos enfants. Mais je ne sais pas où ils sont. J'ai aucun. Je ne sais pas où ils sont. Je n'ai aucun moyen de pouvoir les joindre. S'il m'arrivait quelque chose, je crois qu'il n'y a que la police qui pourrait les joindre. Depuis combien de temps ? Eh bien, depuis 2009, alors. Oui. Mais je crois qu'ils ne parlaient plus non plus à leur père. C'est le couple, en fin de compte. C'est au couple qu'ils en voulaient. Oui, d'un couple où j'ai l'impression d'un couple dans le déni total. Hein. Votre mari dans le déni de son alcoolisme et vous dans... Je crois que... Oui, lui, lui, il me disait toujours, toi, t'es pas bien, mais lui, il se voyait pas. Oui, mais vous saviez que vous n'étiez pas bien, mais vous ne faisiez pas non plus vraiment quelque chose. Je suis allée voir des psychiatres. Mmh. J'en suis allée voir. Et puis, à force, je ne savais plus quoi leur dire à la fin. Je leur racontais tout. Oui, comme si... Vous voyez, Florence, vous me faites penser au syndrome de quelqu'un qui dit à l'autre, « Fais un effort pour moi ». Quand on est là-dedans, dans ce jeu psychologique-là, vous êtes l'enfant qui dit à l'adulte « Mais quand même, tu peux faire un effort pour moi. » Et je pense que vous avez eu cette façon de faire avec les psychiatres, mais tous psychiatres qui sont psychanalystes, psy, ce que vous voudrez, il n'y a pas de magie là-dedans, voyez. On ne soigne pas quelqu'un qui demande qu'on fasse tous les efforts pour lui. On peut l'aider, on peut le guider, mais pour être aidé, il faut savoir demander de l'aide. Or, vous n'êtes pas en demande d'aide, c'est ça que j'entends. Vous ne demandez pas à être aidé parce que vous êtes tellement coupable de tout ce que vous vivez que vous ne cherchez même pas à être aidé, c'est-à-dire être en humilité par rapport à ce qui vous arrive et que vous ne maîtrisez pas. La culpabilité, c'est une tentative de maîtrise. Et vous êtes dans la maîtrise absolue. Donc vous ne laissez pas les thérapeutes vous aider. Et vous dites aux thérapeutes, vous avez qu'à me soigner quand même, c'est votre job. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Comme ça que je leur expliquais ma vie, je leur parlais. Oui, et alors, ils devaient en faire quoi de votre vie ? Ayez parlé de sa vie en thérapie, Florence, c'est élaborer quelque chose qui a du sens et dont on va pouvoir faire quelque chose et que, effectivement, le thérapeute peut, en vous redonnant votre parole, c'est-à-dire votre histoire, vous aider à reconstituer votre trajet de vie. Mais pour ça, il faut que vous soyez d'accord. Une thérapie dans laquelle une personne... on parle de travail sur soi, c'est pas anodin ce mot-là. Parce que c'est un travail, il y a un effort d'une certaine manière à fournir. Du courage, des choses pas agréables. Et oui, il faut bosser un peu. Donc c'est pas je raconte mon histoire, puis je sors et je dois forcément aller mieux. Non, ça marche pas comme ça. Non, je faisais plusieurs... voir le psychiatre, d'accord, expliquer, comprendre, essayer de comprendre. Et je sais pas, peut-être que j'attendais trop. Oui, encore une fois, on entend chez vous une idéalisation de comme une magie. Vous me faites penser à quelqu'un qui vit dans un cauchemar. Et qui se dit, c'est pas possible, je vais me réveiller et on va me changer ma vie et ça va pas être la vie que j'ai, c'est pas possible que moi j'ai cette vie-là. Et donc vous n'êtes pas vraiment, vous souffrez, c'est indéniable et c'est terrible. Et en même temps, vous souffrez comme quelqu'un qui fait un cauchemar, c'est épouvantable de faire un cauchemar. Et vous êtes dans un cauchemar complètement éveillé, en imaginant quelque chose d'un peu magique qui fait qu'il y a forcément un moment donné où vous allez vous réveiller et ça va changer la donne. Et non, je vous dis non, Florence. Vous voyez, parce que c'est pas un cauchemar, c'est votre vie et dans laquelle, en fait, cette vie vous demande, là, avec tous les événements que vous me racontez, vous hurle dessus de reprendre les choses en main et de ne pas tomber malade. D'ailleurs, la maladie vous fera peut-être un pied de nez, elle ne viendra pas frapper à votre porte. Souvent, d'ailleurs, chez les hypochondriacs, qui sont en très bonne santé. Parce que ce qu'on redoute le plus, ce n'est pas forcément ce qu'on attire. Mais en revanche, maladie, il y a dans le sens où psychiquement, vous n'êtes pas heureuse. Et ça, c'est important à soigner. Et pour le soigner, c'est en prendre la mesure. Lâchez votre culpabilité. Vous cherchez à maîtriser des échecs sans pour autant vous en sortir. Et là, actuellement, je suis dans le passé. Je ne vis que dans le passé. Oui, parce qu'il n'y a pas d'horizon devant. Il n'y a pas de vue devant. Alors,
J'ai fait, au décès de maman, je me suis mise à travailler, j'étais dans l'immobilier. Et le problème, c'est que j'avais pas vraiment à faire puisqu'on n'est qu'à la commission. Donc, c'est comme je suis toute seule et j'ai récupéré l'appartement de ma mère, c'est difficile pour moi de tout assumer. Bien sûr, ouais. Donc, j'ai tout arrêté. Donc là, je me retrouve. Ah ouais. Je me retrouve, alors que ça m'aidait quand même. Bien ça sûr, m'aidait. Bien sûr, mais vous avez dit un mot très important, Florence. Et vraiment, c'est le mot clé, là. C'est difficile pour moi de tout assumer. Alors, sans passer à tout assumer, parce que là, effectivement, vous n'en êtes pas encore à ce stade, mais s'assumer un tout petit peu. Et là, vous comprenez, dans ce que vous venez de me raconter, que vous avez lâché quelque chose que vous assumiez quand même, un peu, et qui vous aidait par ailleurs. Parce que c'est ça qui va vous aider, Florence, dans la vie. C'est d'assumer. Donc reprenez, mais alors reprenez comme quelqu'un qui, voilà, se serait pas alimenté depuis des mois, et il va pas manger un énorme repas. Donc, je vous demande pas de partir en disant, ok, c'est bon, je vais tout assumer. Non, c'est des petits pas. Là, vous allez reprendre par des petits pas. Et s'il vous plaît, faites-vous aider, guider en demandant à un thérapeute une demande très claire qui est, j'ai du mal à assumer les choses dans ma vie. Je vous demande de m'aider, de me prendre la main et de m'aider à grandir pour reprendre la main sur ma vie, reprendre le cours de ma vie. C'est ça votre demande, Florence. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est hypochondriaque? Qu'est-ce qui fait que ça vient bien de mon enfance? On ne vient pas hypochondriaque comme ça. Je vais l'expliquer, Florence. Hein, c'est que comme vous avez peur de ce que... L'hypochondriaque, c'est la peur de la maladie, de ce qu'on ne pourrait pas contrôler. Et comme vous êtes ultra contrôlante et vous pensez tout maîtriser, et dans votre jeunesse et après, dans votre vie de jeune adulte, vous avez réalisé que vous n'aviez en fait rien maîtrisé, bah, cette peur en fait, de tomber malade, c'est l'immaîtrisable. Vous retrouvez cette figure-là. Hein? Mais pour ça, vraiment, je vous conseille vraiment de consulter, mais dans l'état d'esprit que je vous indique là, en tout cas si vous en êtes d'accord, hein, bien sûr, c'est-à-dire dans l'état d'esprit de dire « je peux aussi faire quelque chose pour moi ». Et ce n'est pas l'autre qui peut tout sur moi. Parce que là, on est dans la pensée magique et dans le pouvoir absolu donné à l'autre. Et le total contrôle là-dessus. Et là, vous allez de déception en déception, de désillusion en désillusion, et donc de victimisation en victimisation. Donc sortir de ce cercle infernal. En tout cas, je vous le souhaite, Florence, de tout cœur, vraiment. Merci. Hein, de retrouver votre chemin perdu. Bon courage à vous, Florence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Rabat. Bonsoir. Bienvenue. Je me permets de vous appeler parce que je suis tombé il y a quelque temps sur vos émissions. Oui. Et j'ai d'abord été séduit par la voix, par votre voix. Ben merci. Qui me rassurait quelque part. Et ensuite, je me suis un peu penché sur l'analyse que vous portiez à vos auditeurs. Qui vous appelait et j'ai vraiment trouvé ça intéressant et j'ai sauté le pas, j'ai souhaité vous rappeler. Mais merci. Et alors vous aviez envie du coup d'échanger sur quoi avec alors, moi et les auditeurs, hein, parce que c'est une émission collégiale et collective et collaborative, hein, c'est le mot à la mode. Bien. Tout à fait. Alors moi je me trouve, j'ai 44 ans. Et je me trouve dans une situation, une position où je suis plein d'incertitudes. Plein d'incertitudes par rapport à mon avenir, par rapport à l'évolution de mon état de santé, par rapport à plein de choses. J'ai fait abstraction il y a quelques années de mes relations amoureuses par rapport à tout ça, déjà. Là, je me trouve à 44 ans à me dire... qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour continuer, quoi. Voilà. Ah oui, comme entre deux eaux, entre deux mondes, entre deux endroits. Tout à fait, tout à fait. Sans bien fait. Arriver à vous projeter, sans bien arriver à regarder ce qu'il y a devant. Exactement, exactement. Ouais. Alors, je relate un petit peu... Oui, parce que qu'est-ce que vous voyez derrière qui va permettre de regarder devant, bien sûr. Tout à fait. Bon, mais il y a des années et des années que je suis tombé malade, un diabète de type 1 qui
puis en est suivi par des complications. Mmh. Je me trouve à l'heure actuelle en dialyse. Oui, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Mmh. Mais j'ai réussi à porter tout ça, parce que c'est pas d'hier. Hein. Oui. Ça fait 8 ans que je suis en dialyse. Mmh. Et à l'issue de ça, je me suis réfugié dans le travail. Alors, j'ai monté ma société, ça fonctionnait bien, ouais. et vraiment, ça me portait jusqu'à présent. Et là, c'est vrai que cette année, tout est dégringolé. Oui, à cause du marché. C'est une société, donc, sur quel type de marché, dans quel domaine? Non, parce que le marché, elle est relativement bien. Oui. Dans le monde culturel, tout va pas très bien, mais... Oui, d'accord. Voilà, moi je travaillais pour les théâtres et les opéras. Mmh, c'est formidable, oui. Voilà, donc j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, qui m'a apporté beaucoup. Mmh. Je me suis vraiment investi. Et puis, à l'issue de ça, l'année dernière, j'ai eu un gros problème de santé où je me suis retrouvé dans le coma. Et voilà, avec une expérience assez bizarre d'ailleurs. Puisque j'ai été déclaré cliniquement mort. Donc vous avez fait une near-death experience? Voilà, tout à fait. NDE, ah oui. Et c'est les questionnements, enfin, à mon retour, bien entendu, oui. Les questionnements sont arrivés. Ah oui. Et il est vrai que, bon, je suis quelqu'un de très cartésien. Je croyais pas justement en la vie après la mort. Rien de tout ça. Et je me suis trouvé dans une situation de bien-être. Mais c'est indescriptible, vraiment. Et je suis revenu à la vie. J'en ai parlé d'ailleurs récemment avec le médecin hospitalier qui me suit depuis très longtemps. Et qui me dit, vous avez une bonne étoile. En tout cas, une étoile qui vous a demandé de rester là pour réaliser quelque chose. Voilà. Hein, c'est le cas de gens qui vivent comme vous, des NDE, hein, comme on les appelle. Donc, et c'est intéressant parce qu'effectivement, ça corrobore souvent les témoignages, de dire un bien-être indescriptible. Souvent, on parle de lumière également. Je ne sais pas si c'était moi, votre cas. Plus vraiment le définir, tout ça. Oui. Ça a été, mais un bien-être. Vraiment, un vrai bien-être. Et du coup, qui pose la question de « mais qu'est-ce que je fais là maintenant ?» Exactement. Mais oui, bien sûr. Ouais, exactement. Ouais. Et puis bon, à l'issue de ça, cette année, c'est vrai que mes affaires n'étaient pas... je n'étais pas en mesure ou en capacité de tenir mes affaires comme j'ai tenu auparavant. Et bon, tout s'est dégringolé. Et là, je me retrouve j'ai plus de société, en liquidation, bref. Donc, c'est pas ça qui me pose souci. C'est, je continue. Pourquoi ? Oui. Voilà. Quel sens a ma vie désormais ? Exactement. Exactement. Et vous diriez, Rama, quel sens elle avait avant ? Est-ce que vous pouvez me dire ? C'est-à-dire, quand je dis quel sens, c'est dans quel sens vous avez œuvré ? Hein ? Quelle était l'œuvre ? J'avais le sentiment de partager, de porter, de me porter moi par rapport à mes problèmes, mais aussi de porter d'autres gens, parce que j'ai embauché pas mal de monde. Avec moi, et je me sentais responsable, investi. Donc responsable des autres en étant responsable de soi, enfin, en écho. Exactement. Donc là, et ça vous parle plus aujourd'hui ? Ou encore ? Je ne sais plus si j'en ai la force, véritablement. Je ne sais plus si j'en ai la force, parce que ce que me renvoie ma vie actuellement, c'est effectivement, vous connaissez la cadence des dialyses, c'est 3 fois par semaine. Je me trouve dans un... Avant, je dialysais à la maison. Hein. J'ai été formé pendant 6 mois, où je m'auto-gérais complètement. Donc, je ne voyais pas tout ça. Maintenant, je me retrouve dans un centre de dialyse où je vois des gens défiler... En face de moi, en fauteuil roulant, en lit, je me dis, mais si c'est ça,
mon devenir, sincèrement, je ne souhaite pas, quoi. Oui, c'est pas vers ça que je peux me projeter. Et que disent d'ailleurs les médecins par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est censé être votre avenir ou pas? Alors, il y a des possibilités, il y a des... Mais c'est vrai que là, moi, j'avais fait le choix il y a 6 ans en arrière, quand j'ai créé ma société, de tout porter sur le travail. Donc, j'ai laissé tomber les espérances de greffe, j'ai laissé tomber tout ça. Ça, il faut pouvoir faire des examens réguliers. Donc, il y aurait une greffe qui serait possible pour moi. Maintenant, voilà. Oui, donc en fait, ce que vous vous dites, quand vous dites j'ai tout misé sur le travail et puis responsable des autres, vous avez donc beaucoup donné. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit votre tour de vous donner, à votre tour de vous donner quelque chose. Tout à fait. Et notamment de vous donner de la vie, en tout cas de l'espoir et de la vie. Exactement. Parce que vous voyez, c'est intéressant l'expérience que vous avez fait de coma et de finalement de rester. de rester. Pourquoi? Et vous avez raison, bien sûr, de poser cette question essentielle. Est-ce que le sens, à un moment donné, c'est pas de reprendre la responsabilité de cette vie qu'on vous donne, parce qu'on en est responsable de cette vie qu'on nous a donnée, et donc de la porter à bien, et de la porter dans son sens le plus sain, enfin médicalement, si vous voulez, dans le fait d'être en bonne santé autant que c'est possible, bien sûr, dans votre état, mais voyez, dans une santé au mieux possible, et effectivement d'envisager la greffe, et ça c'est aussi une forme d'œuvre. Oui. Ça aussi, et comme vous dites, c'est un investissement, c'est passer des examens médicaux réguliers, c'est donc voilà. Et puis c'est accepter aussi de me laisser porter. Exact. Voilà. Et ça, j'ai du mal à l'intégrer. Ouais. C'est faire l'expérience. Vous voyez, c'est pas me laisser porter, c'est faire l'expérience que les autres puissent faire quelque chose pour moi. Parce qu'on sent, vous avez été hyper autonome, hyper responsable. Et quand on fait l'expérience de laisser les autres s'occuper de soi, on fait l'expérience de quelque chose qu'on donne à l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez, mais oui, bien sûr. On fait l'expérience de laisser une partie de soi à la gestion, si c'est le mot qui me vient des autres. Et ça, c'est de la confiance, en fait. Et c'est drôlement difficile. Tout à fait. Et c'est là ma problématique actuelle. Voilà, parce que dans ma vie, bon, j'ai 44 ans, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi que j'aimais, que ce soit dans ma famille, ma petite sœur par exemple, qui est décédée aussi d'une maladie auto-immune, mais pas la même. Mais voilà, et j'ai perdu des amis, des vrais amis, il n'y en a pas beaucoup dans une vie, des vrais amis, et je me dis, bon, est-ce qu'il voudrait pas mieux se laisser aller à retrouver ce bien-être et à retrouver peut-être ces gens que j'aimais autour de moi. Oui, mais là, c'est lâcher quelque chose comme une forme d'abandon. C'est m'abandonner, c'est de l'abandon. C'est ça. Alors, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas un bien ou un mal. C'est pas tant le sujet là qui nous occupe. C'est plutôt quelque chose qui a du sens pour vous. Mais vous voyez, c'est tout et rien. C'est d'un côté, je tenais tout. En fait, vous êtes très entier, j'imagine, Rabat, voilà. Et donc, j'entends quelqu'un qui tenait tout. Et si je ne peux plus tout tenir, alors je préfère ne rien tenir. Parce que tout et rien, c'est la même chose dans la vie. Et donc, je suis tentée de tout abandonner ou de m'abandonner. Mais ça, ce n'est pas l'expérience de la confiance et de se confier à l'autre. C'est lâcher tout. C'est tout d'un coup, c'est abandonné. Donc, alors que faire l'expérience de la confiance, c'est au contraire, j'ai une responsabilité de donner ma confiance et une partie de moi aux soins de l'autre, et donc de laisser l'autre s'occuper de moi et rentrer un peu chez moi, être en lien. C'est un vrai lien, un vrai partage. Et vous avez cité ce mot-là. Alors que abandonner veut dire, bon, moi, je suis plus là et faites ce que vous voulez. C'est pas du tout. Et en fait, si vous allez vers ça, c'est que si vous allez vers ça, c'est
vous n'avez rien transformé, vous n'avez rien transformé. Plus que le changement, quelquefois, je pense qu'on transforme des choses dans notre vie. C'est un processus plus beau parce qu'on ne change pas vraiment, mais on arrive à transformer des choses. Et votre épisode de coma vous a transformé d'une certaine manière et vous demande de vous transformer. Si vous allez vers le fait de vous abandonner, ben finalement, c'est la même chose que le processus d'avant où vous étiez en prise directe et vous maîtrisiez tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, je reste lucide avec moi-même. Oui, on entend. Il y a encore des gens sur cette terre que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Et qui vous aiment, sûrement. Et qui, voilà, tout à fait, qui me rendent bien. Et ça me ferait tellement de mal. Je serais plus là hein, pour le savoir, mais ça me ferait tellement de mal qu'ils pensent que j'ai été un peu lâche par rapport à ces sentiments qu'on avait en commun ou qu'on a en commun. Je me refuse à le faire. Je suis pas d'un tempérament suicidaire, mais j'ai tellement avancé dans ma vie que là j'ai l'impression que c'est le gros coup de frein. Oui, mais ce que vous venez de dire sur tous ces gens auxquels vous tenez et qui tiennent à vous, ce serait, pour le dire autrement, ce serait ne pas leur faire confiance, justement. Exactement. Et ne pas leur donner peut-être aussi la joie et la chance de faire quelque chose pour vous, ce qui sera aussi une manière de faire quelque chose pour eux. Hein, tout ça étant dans de la réciprocité. Oui, oui. Il y a René qui dit « Vous vous retrouvez dans le réel, dépossédé de votre rôle, d'où cette impression de néant. » Tout à fait. Il y a un changement de rôle. Oui. C'est vraiment le changement de rôle. Et là, une autre distribution. Hein. Voilà, exactement. Et j'ai un peu du mal à le... Mais oui, c'est normal. Hein. À y aller, quoi, vers ça. Imaginez, je reprends l'image du théâtre là ce soir, mais quelquefois on est dans la vie comme effectivement une forme de théâtre, le théâtre de la vie, et on a endossé un costume, un rôle, un personnage, et puis arrive un accident de parcours ou quelque chose, un événement dans notre vie, on nous dit non, mais vous, c'est plus ce rôle-là que vous jouez, ce costume-là, mais vous allez me faire ce personnage-là. Vous dites non, moi je sais pas, j'ai pas appris, je connais pas, ça me parle pas. Oui, c'est comme un nouvel apprentissage, là. Alors, ce qui me fragilise davantage actuellement, c'est tout le contexte actuel qu'on a en France. Oui. Voilà. Moi, ça me touche, mais vraiment profondément. Oui, j'entends. Et même si je ne suis pas directement concerné, mais que notre société en arrive là, je me dis, mais à quoi bon, quoi? Oui, ça vous rend triste, profondément triste. Ah oui, complètement, complètement. D'aller s'acharner sur un pauvre prêtre ou tuer des enfants qui étaient en vacances. Enfin, c'est effrayant. Oui, cette question de dans quel monde on vit, c'est celle qu'on se pose tous. C'est une insécurité, mais... Oui, c'est effroyable et effrayant. Ouais. Exactement, exactement. Ça me renvoie, là, je regardais mon petit chien qui dort juste à côté, et une phrase que disait Oscar Wilde, plus je côtoie les hommes, plus j'aime mon chien. C'est vrai, quelque part. Oui, ça pourrait être du Sacha Guitry aussi, je trouve. Parmi les grands misanthropes vers la fin de leur vie. Exactement. Ouais. Mais vous voyez, en même temps, il y a Valérie qui envoie un message en disant « Monsieur, je ne vous connais pas, néanmoins, je vous remercie de faire attention à vous et de vous soigner. » Ah ben, je remercie Valérie vraiment de son témoignage parce que je suis dans le questionnement total là et j'aimerais pouvoir en sortir. Bon, alors, j'avais des projets qui sont toujours en cours. Mais voilà, c'est le stand-by total parce que je me dis, comment m'en sortir de tout ça? J'avais un vieux rêve, un vieux rêve que j'avais pu mettre, un rêve de gosse que j'ai pu mettre en pratique ces derniers temps. Et je souhaitais vivre sur une péniche, par exemple. Oui, super. Voilà. Vous êtes à Paris, donc?
Auprès de non, Paris. Je suis pas à Paris. Oui. Je suis pas à Paris. Bon, Paris, c'est trop cher. Oui. Donc sur un des affluents. Alors, dites-nous le fleuve sur lequel repose la péniche. Alors, pour l'instant, il est. Elle est où? Au bord de la mer, dans le sud. Oui. Et donc, c'est là donc où vous vivez sur une péniche là. Non. Je l'ai acheté là-bas. Oui. J'avais fait les travaux pour l'aménager en appartement. Oui. Et il est resté au chantier naval. Mmh. Et mon souhait, bon, moi je suis sur la région lyonnaise, mon souhait c'était de rejoindre ma sœur avec qui je m'entends parfaitement bien, qui est dans le sud-ouest. Oui. Et ce projet, c'était effectivement de finir d'aménager cette péniche et puis de descendre tout doucement le canal du Midi et me retrouver à Toulouse près d'elle, quoi. Oui, c'est un beau projet, ouais. Voilà, et c'est vrai que là, depuis ces trois derniers mois, il n'y a plus rien qui bouge. J'avais commencé à faire le déménagement de ma maison pour pouvoir aménager ce bateau, et sans y rester là, quoi, voilà. Mais voyez, vous avez été rattrapé par un épisode terrible qui est un épisode où vous avez frôlé la mort, en fait, hein. Vous avez été dans le coma. Oui. Donc il y a comme un espèce d'arrêt sur image comme ça qui vous arrive dans votre vie et qui vous ébranle entièrement et qui vous dit est-ce que j'ai finalement bien raison de continuer de poursuivre ce qui m'animait avant. Or, là, moi, ce que j'entends, et ce qu'entend René, hein, d'ailleurs, qui parle de pulsion de vie, et qui dit, ben voilà, on sent que la pulsion de vie est là. Oui, on sent qu'elle est là. Et qu'est-ce qui fait, d'après vous, aujourd'hui, que ce projet, je vais reprendre vraiment votre projet, là, ce projet d'enfant, puisque la péniche est là, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui fait que ça a changé? Vous voyez, qu'est-ce qui a soit abîmé, soit remis en cause ce projet-là? Si on reste juste là-dessus. Hein. Oui, ben c'est l'incertitude. Mm-hmm. C'est une incertitude totale par rapport à mon. Est-ce que je vais. Quand je vois les gens en face de moi à la dialyse, oui. Je me dis mais est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je vais. Alors que avant, effectivement, j'étais autonome, je faisais les choses. Est-ce que ce projet-là, on parlait tout à l'heure justement d'être aidé, accompagné, de se confier, est-ce que ce projet-là, vous trouveriez un compagnon ou une compagne, ami, enfin connaissance, de route avec vous, jeune, moins jeune, peu importe, dans votre entourage, embarqué, je sais pas, un petit équipage léger voilà, dans votre réseau. Tout est possible, possible. Mais de ne pas le faire seul, justement. Ouais. Parce que ce projet, vous deviez le faire seul au départ? Oui, c'était. Oui. Et puis j'avais commencé vraiment à le mettre en place. C'est intéressant. Une rupture amoureuse. Oui. Une rupture qui a duré assez longtemps, 9 ans. Et là, je voulais mettre. Les voiles, avec une péniche, mais les voiles. Voilà, les voiles. Les voiles et tout seul. Et là, c'est peut-être que le projet en soi est à reconsidérer peut-être dans sa formulation, dans la façon de faire, dans sa forme, mais pas dans le fond. Parce que j'entends que le projet est toujours très valable dans le fond, mais vous dites, je peux plus le faire sous cette forme-là, d'accord? C'est vrai, vous avez raison. Et c'est d'ailleurs plus prudent de ne pas le faire sous cette forme-là. Mais en revanche, pourquoi pas le maintenir? Mais la forme a changé. Et de fait, toutes les formes ont changé dans votre vie. Oui, là, je reste encore dans la projection, hein, parce que je marche encore. Physiquement, je suis encore autonome. J'ai une voiture, D'accord. C'est dans la projection où je me dis, mais si je dois me dégrader en quelque sorte tel que je le vois en face de moi, comment je vais faire?
Parce que vous aurez fait confiance et donc c'est en vous entourant, prenant des précautions, en étant prudent, prenant soin de vous, en ayant le souci de vous, hein, au sens où l'entendait le Foucault, hein, le philosophe, oui. Ayant le souci de vous. C'est le souci de vous avec le souci de l'autre. Et c'est vers ça que vous allez, c'est l'expérience que vous allez faire. Et je trouve que ce projet de péniche est un moyen, un véhicule, hein, absolument merveilleux, pour vous emmener naviguer avec éventuellement équipage par étape, en repensant ce projet, vraiment en toute prudence et avec vous. Mais surtout, j'ai envie de vous encourager à ne pas l'abandonner, qui est une façon de continuer un trait d'union, de faire trait d'union dans votre vie, hein, projet passé dans le présent, mais avec une forme tout à fait différente qui prendra celle de la confiance, du partage, de tout ce qui vous est cher, et ce qui vous a toujours été cher d'ailleurs. Le partage en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais sur le papier, c'est formidable. Mais quand vous m'entendez en parler, qu'est-ce qui se passe en vous ? Parce que moi, j'aime bien que vous me disiez, ça paraît formidable, ça prouve que ça résonne, que ça vous touche quand je vous montre cette image. Complètement. Oui. Mais vous savez, je peux être ce soir exalté, motivé. Mais oui, et demain abattu. Et demain matin, je comprends. Ça va être différent. Vous diriez avant qu'on se quitte, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'est-ce qui vous, s'il y avait une chose qui vous manque aujourd'hui justement pour vous sentir en ressources, ce serait quoi ? C'est d'avoir confiance en moi. Comme j'ai pu l'être à un moment donné. Oui, donc confiance, c'est-à-dire confiance dans vos capacités. Tout à fait. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi, en tout cas, avoir confiance dans les capacités dont je suis sûre, sur lesquelles je suis sûre que je peux avoir confiance. Et puis pour le reste, m'en remettre aux autres. C'est ça votre petite voie, là, étroite, la nouvelle voie à tracer. Vous me l'avez soumis et il est vrai que je l'avais occulté, ça. Oui. Donc confiance en soi, c'est confiance dans l'autre, bien sûr. Ouais. Donc ne vous isolez surtout pas, Rabat. Merci de votre très très beau et très vibrant témoignage. Laladie Rabat, le poète, je vous embrasse et vous embrasse tous ce soir. Merci Rabat. Bon courage à vous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Et oui, on se quitte, mais c'est pour mieux se retrouver demain, 23h. Bonne nuit à tous. Je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe Ballas avec Europe 1 Music Club. Allez, musique.